Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé, pas oublier abonner avec Mombad Media Now. Et puis, ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie de l'équipe notification Mombad Media Now là. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Nous avons Mombad de Police, dans l'Ouest, dans une localité qui est le Deerbrook. C'est la président républicain Jovenel Moïse qui a parlé avec plusieurs citoyens, leaders communautaires dans différents secteurs d'activité. Échanger est centré surtout sur le besoin de Nord-Ouest là dans les affaires infrastructures routières. Chef l'État a annoncé pour l'année Cap Vignan construction 10 km route Cap Soti BDM passer Bombad pour Alboutmol Saint-Nicolas à travers fonds entretien routier fer. Nous sommes sur BDM, nous ne sommes pas là, soit nous-mêmes nous déjouons BDM. J'en appelle même Jean, pasteur Moïse là, qui dit en fait, soit nous sommes en communauté intercommunale, de société civile, ensuite qui vient élu magistral, c'est-à-dire si nous sommes en bataille, nous sommes nous-mêmes société civile pas à l'aise, nous sommes là, nous devons faire pas le pas à faire, c'est pour nous dire. Tout de suite après un contact, président Jovenel Moïse visitait Monchin pour garder état route là. Pendant lui demander plus d'engagement avec sens sérieux, autorité locale dans tout projet administration là à exécuter.
que le lycée ça, nous pas faire pose première pierre là. Et femme dit nous, son lycée qui a coûté environ 78 millions de goudes, c'est FNE qui a financé à 100%. Aujourd'hui, c'est construction lycée national du frère. Maître d'ouvrage, projet ACI, ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Maître d'ouvrage délégué ACI, Fonds national de l'éducation et financement Fonds national de l'éducation. Mission de contrôle qui est présentée par M. Leslie Voltaire, l'architecte, c'est H.I. Volt. L'entrepreneur, c'est Enstrap Engineering SA, dont je suis le directeur général. Et durée projet A, c'est 13 mois. Donc, projet en termes de consistance, nous gagnons deux bâtiments en béton armé qui là, qui résisté à tout effet 6 spécules et qui calculé en ce sens, et le ministère des Travaux publics tout vérifié, ou bien le service d'hygiène scolaire qui vérifie, tout le bagage ça répond à l'exigence que nous avons besoin en matière d'infrastructure. Et deuxièmement, nous gagnons bâtiment ça a cap fait yo. Yo gagné des voiles de béton qui là tant qu'au niveau du rez-de-chaussée qu'au niveau de l'étage qui répond à tout effort latéral qui a venu. Donc son bâtiment totalement en sécurité pour nouveaux élèves qui viennent là. Chaque salle de classe fait 50 mètres carrés. Donc nous gagnons chaque bâtiment gagne 6 salles de classe, en tout nous gagne 12 salles de classe. Nous avons deux salles de classe, nous avons un bloc administratif et une salle de classe pour les élèves. Nous avons deux blocs sanitaires cap au fond de clôture et nous avons un bloc logement pour gardien. Chaque salle de classe en moyenne, il y a la priorité 40 à 50 élèves. C'est-à-dire qu'à partir de cette semaine-là, d'accord, nous allons commencer à faire l'installation de chantier, nous, fermer périmètre d'intervention. D'accord, des tests pour isoler l'école nationale là avec nous-mêmes, assurer un plan de sécurité tout, de telle sorte que les camions n'ont pas entré dans l'espace ça, pour que les élèves qui là, ils ont pour que ne pas créer des problèmes entre eux. La construction ça respecte toutes les normes. Toutes les normes en matière de sécurité, toutes les normes sismiques respectées là-dedans. Parce que la construction ça, c'est des plans type qui là, d'accord, après 12 janvier, tu fin passé à plat, tu fin nous avons les Suisses qui te préparé. Et là, on fin préparé, ils ont vérifié par le service de génie scolaire, ils ont vérifié par le ministère des Travaux publics pour assurer yo, par rapport à l'incident qui est passé le 12 janvier yo, et que nous appliquons la méthode ça. Tout est là et bien défini en matière de règlement de sécurité pour les bâtiments. Faut qu'on dit que dans le cadre de vision, le président de la République, là, son excellent Jovenel Moïse, qui m'a demandé depuis en 2017 les monter comme ministre pour nous chercher un gens pour nous mettre 15 000 nouvelles salles de classe dans le pays de manière pour nous capables combler en 2017 vite qui était gagnant qu'on ait gagné 10% de monde qui gagne l'âge pour l'école qui pas l'école. Et aujourd'hui nous avons un taux de scolarisation qui dépassait 90%, mais il faut qu'on travaille pour tout joindre côté bien l'école. Dans la feuille de route que j'ai gagné dans le même tour depuis en 2017, eh bien, il y a trois bagailles qui priorité là-dedans. C'est ça, nous, la gouvernance. Nous gagnons accès à l'éducation et qualité de l'éducation. Depuis en 2017, malgré tout mauvais vent, nous travaillons dans ce sens-là. C'est comme ça. Sorti l'année 2017 pour arriver l'année 2020, dans jeudi à la même, nous avons construit 143 écoles tout neuf. Et pendant ma parole là, il y a 25 lots qui ont construit avec fonds FNE à travers tout le pays, sans compter un pile lot qui ont construit avec fonds trésor public, notamment 10 lycées présidents et annoncés. Dans 10 ça, ils sont seuls qui ne peuvent pas commencer parce que ont tiré toujours dans DGI sous question terrain, ils ont déclaré d'utilité publique là pour nous capables construire le lycée Jean-Jacques Dessalines. Année passée. Ici, il y a l'école nationale de qualité, qui est l'école nationale frère. Pendant que nous avons fait rentrer, nous avons annoncé que très prochainement, nous allons mettre campé sur route frère pour desservir toute la population ça, qui va contribuer à l'école après 9e année, Peigné, route frère et Latrier, un lycée, qui c'est lycée national frère. Et je dis, c'est ça qui est réalité. Je te parle tout de question de gouvernance. Côté en pile l'ordre à péter dans le système. Je parle tout de qualité éducation. Je dis à même gens, nous avons un plan
pour construire un pile l'école à travers tout le pays, eh bien c'est comme ça tout, nous allons démarrer avec encore une chaîne formation enseignant. Bon, politique nationale formation enseignant là, et dans quelques jours encore là, nous allons commencer dans le Nord-Est, côté nous impliquer toute université publique en région, IEH, nous allons faire formation pour tout enseignant qui est dans le système, non, parce qu'ils ont besoin de ça. Donc, nous pensons que aujourd'hui, c'est un bon bagaille. L'un a pété l'école un peu partout, en fonction de nos quatre, nous avons gagné, un quatre scolaire, cadographie scolaire là, qui dit nous, mais qui côté besoin de l'école. Je, nous gardons dans temps en temps. Trois écoles qu'on collait, une Getimoun, deux vides. Je dis à nous dit, il faut qu'on aille chercher, c'est l'école là qu'on joue Timoun, c'est pas Timoun qu'on aille chercher, joindre l'école là. Eh bien, c'est un gros bagaille pour nous aujourd'hui, pour nous venir là, pour nous faire pause, première pierre, pour lycée national frère, qui va le desservir un pile monde dans la population. Et pour me finir, je souhaite bon travail, bonne exécution à l'ingénieur en chef de travail, ça, qui c'est Guy Jacques Jean, et en même temps, bonne supervision à un monde qui compte dès qu'il s'en a parlé, qui va le faire supervision de travail là, qui c'est architecte et ministre Leslie Voltaire. Merci beaucoup. Et pour
action ça vient faire avec la communauté a, parce que et nous avons un pile parents qui t'a plein sous question ouverture classe là parce que pour te acheter livres cahiers valises souliers et latrier pour y envoyer timoun à l'école. Je dis à son geste côté nous féliciter ça et n'a demandé le tout pour le toujours encourager à chaque fois les juger nécessaire pour le faire et genre de geste avec la communauté. Tout timoun nous qui réunit dans l'école là c'est centre-ville seulement et y a vivre et distribution est faite pour centre-ville seulement et timoun section en parade. Et par exemple, timoun l'école nationale la découverte et timoun ICS et timoun Bonberger et monseigneur Rémi Augustin et Latrier. Distribution ça lui-même, il est utile timoun yo dans sens côté si toutefois tu as gagné de matériel didactique en dedans côté timoun yo, il y a pas de possibilité pour yo pour parents yo même acheter et genre de matériel ça yo bon c'est ça pour aider nous avancer avec apprentissage là. Yon kit scolaire qui bon pour yo. Son kit scolaire, m'a gardé sa grande dans le. Sauf que me estime y gon valise et puis gen yon soulier la donne. Ok. Donc, kit la pour nous même dans la communauté à son bon bagay, mais c'est pas suffi pour zone non. Mais kit la, dans quel sens la servi les vieux? Bon, kit la servi ti moun yo pendant un moment, pendant l'année scolaire, pour yon capable de travailler. Parce que c'est valant, yon gen beg la donne. Gen ti moun ki pot ko gen beg. Je pense que ça a servi les parents et tout. Ce sont bon bagage pour les parents parce que les gens qui n'ont pas de bague, tout le monde vient de l'école. Pour Dominique Xavier, nous avons 348 personnes qui étaient présents aujourd'hui. Je me suis dit tout le monde est là. Alors, nous avons notre école qui était là tout. Nous avons l'école nationale Jacques Maupac qui est là. Nous avons l'école nationale Marendec qui était là tout. Et puis nous avons Fabanou, Jean-Abel qui est là. En tous ces quatre écoles nationales qui sont là ensemble aujourd'hui. C'est vrai, première dame, nous avons un sentiment de joie parce que l'hypothé valise, l'hypothé soulier pour Timoun. Et nous constatons, dans deux semaines de classe qui déjà passé là, Timoun, il y a un Timoun qui vient, qui n'a pas de valise, qui n'a pas de cahier, qui n'a pas de plume, qui n'a pas de crayon pour écrire. Cela veut dire que c'est un support quand même, l'hypothé. Les parents, les livres font geste ça
et à l'école nationale Richard Buisson. Ils sont dans tout quartier. Les quartiers populaires, et il y a des petits mouns, c'est petits mouns en domesticité. Il y a des petits mouns tout, qui sont des parents normaux, parce que l'école Richard Buisson, c'est la première école de, nationale de Port-de-Paix. Donc, qui ont une très grande renommée, et que les gens auraient même été petits là, dans l'école là. Mais l'école là, des cantations que nous faisons, il y a toute qualité de tout le monde là-dedans. Combien d'écoles qui étaient là maintenant? Il y a deux autres écoles qui étaient présentes. Ici, c'est l'école nationale et Jacques Maupa et l'école nationale Saint-Martin-Anchi. Ça madame n'en fait parce que ils bonnou bon manger l'école là et ils bonnou livre ils bonnou valise parce que c'était pas grâce à lui nous pas travailler là dans livre aujourd'hui parce que gien parents qui va gien ben qui bat élève qui va pétard pour venir travailler mais quand il a passé me dit merci en plus pour parce que la travail là aujourd'hui c'est grâce à lui qui fait notre travail là aujourd'hui et nous dit merci tout pour parce qu'il bon nous valise mais n'a on seul bagage n'a demandé puis faire nous cadeau un jardin dans la cour pour nous ca user pour nous ca travailler tout dans la cour son bagage n'a attendre de longtemps parce que nous avons une commune qui pas gagne recette qui pas gagne structure et nous avons vu seulement de la pêche de l'agriculture moment n'a pas gagne la pluie pas gagne saison on pour l'école là marqué petit monde parce que répondre besoin parents ou pas répondre à rentrée scolaire là c'est un plaisir pour nous ouais première dame vient distribuer et souliers avec valise qui est scolaire pour Timoyo capable de reprendre l'activité de l'école. Grâce à Dieu, mon Dieu tout fait nous être comme une ville qui est calme et qui est propre à travers la République. Parce que la population est unie avec moi, il y a autant de mots comprendre, il y a une ville propre. Et puis le système de sécurité, nous mettons en branle. Parce que nous avons une brigade nous dans la ville là pour être que les gens ne sont pas comme étrangers, il faut qu'ils aient un adresse. Il faut qu'ils soient dans la ville là et combien de gens font la ville là et qui sont venus dans la ville là. À cas où pas avoir une information, nous-mêmes, nous sommes tout prêts pour faire la police. Pour nos villas, en Vavlia. En dans toute section, en dans toute habitation, c'est l'école nationale des filles de Fort Liberté qui regroupe quatre écoles là. Il y a l'école nationale des garçons, l'école nationale Bethel Bethesda de Fort Liberté, l'école mixte des filles de Fort Liberté. C'est ça qu'il a l'école nationale. Okay. Le fait que même côté de mon premier salaire, je regroupe l'école nationale, surtout avec parents qui viennent les rabbins, car les petits sont capables de mieux que les bagages là. Ce soit le fait sur place public, les rabbins, côté en public, les gens qui n'ont pas besoin de venir pour gaspiller. C'est-à-dire que chaque salle touche de besoin, nous ne pouvons pas satisfaire parce que vous avez un problème pour la valise là. Vous avez un problème pour acheter sous les boutons à l'école. Je dis à l'État pour le bail, il faut nous dire merci. Je dis à c'est un grand jour pour nous tous staff là. Parce que nous comptons, premièrement, nous comptons parce que le président est déjà venu bail valise déjà. Il était bail livre. Et nous avons dit nous, livre ça va permettre l'école là de fonctionner bien. Parce que tout le monde possède des livres devant eux pour être capable de travailler. Ensuite, lui-même encore, il facilite l'école là pour nous trouver manger pour bâtir nous. Pas n'importe qui manger, il faut me dire nous, manger de bonne qualité. Donc pour ça, je dis président, merci toujours. Parce que vous boit juste chaque jour, vous mangez un bagage matin et vous mangez bon, 10h30 pour être capable de supporter. Et qu'on est encore dernier gros miracle, c'est jeudi encore. Les premières dames nan vin séparer valise encore et puis souliers parce que gen ti moun nan vraiment qui en nécessité souliers donc nous disons un grand merci 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 et nous mandons bon Dieu pour capable protéger yo couvrir gouvernement nan jusqu'à ce que mandat pa il a fini et comme nous dit pas seulement ça seulement pour faire liberté nous senti ti lumière vle vini. Mais lumière pour qu'on finisse de rester nous lumière pour nous, pour que nous soyons capables de trouver moyen pour étudier.
parce que l'école arrive dans 9e année, donc nous avons remis un courant pour être capable d'étudier. Et puis pour l'école là, nous avons quelques nécessités, nous manquons tout. Nous, si nous gardons nous l'école la belle en nous-mêmes, mais les nous gardons l'école là pas de cuisine. Nous pas de cuisine, nous obligés annuler une salle de classe pour nous mettre réchaud et avec bonbonnio pour nous faire manger. Donc la demande des présidents pour y penser à nous, pour nous capables de cuisiner dans l'école là. Nous avons l'idée pour nous gagner un jardin scolaire par derrière. Donc nous pas de moteur, mais nous connaissons capable de nous dans ce sens-là pour nous capables de trouver un moteur pour alimenter l'eau parce que nous avons plus artésien dans la cour, nous avons un gros bassin. Donc nous avons besoin d'un moteur pour nous capables d'alimenter l'eau. J'ai consenti à m'offrir ce rare moment de plaisir, d'abord pour apporter mon support à un ami que j'ai choisi. Je le dis souvent, moi je choisis mes amis et c'est leur affaire s'ils ne sont pas mes amis. Mais moi je suis leur ami. C'est dans ce groupe d'amis que j'ai choisi Babas. À vous de deviner qui est Babas ici. J'ai aussi choisi un certain Gary Pierre Bolchard, un autre qui s'appelle Garo. Je cherche un ami là que je viens de rencontrer. Il y a le pasteur Franz Bataille que j'ai aussi choisi comme ami. J'ai aussi choisi le patriarche qui s'appelle Monsieur le Grand Citoyen. Et vous voyez de qui je veux parler. C'est de Jacques Sans Peur. C'est quelqu'un qui n'a jamais peur de travailler pour son pays. Alors vous pourrez facilement voir et réaliser qui j'ai comme ami. Lucien Girard, c'est un grand ami, un frère. Mais je suis aussi là pour lancer un signal clair aux détracteurs de la race. Comme dirait Louis-Joseph Janvier, que l'esprit ne perd jamais ses droits, quelle que soit la situation. Nous avons besoin aujourd'hui et plus que jamais de garder haut le flambeau intellectuel et d'appuyer toute initiative visant sainement à maintenir la confiance et l'espoir de jours meilleurs. Ces personnalités de marque, toutes venues pour saluer cet enfant que nous portons sur les fonts baptismaux. Mon cœur est rempli de joie. Et soudain, toutes mes fibres n'ont plus leur faculté à pouvoir vous identifier tous. Gary Pierre Paul Charles, je ne te citerai pas, ça fait plus de 20 ans. Tout a commencé à Télémax. Ça s'est poursuivi à Signal FM. Et pas plus tard qu'hier, à Scoop FM encore. C'était le grand amour. À l'ombre de tes ailes, j'ai appris, j'ai grandi. Merci. Georges Allen, je ne dirai rien à ton sujet. Dans mon livre, j'ai laissé ma plume dire ce que je ne pourrai jamais dire tout à fait ce soir. L'ambassadeur nippon a lui aussi fait le déplacement. Un grand ami. Merci, monsieur l'ambassadeur. Voilà. Et merci avec tout le monde qui t'est branché pour t'es capable des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous. Son babé zap chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.